Non, 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 et moi je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Je veux rentrer à la maison, je ne suis pas sûre. Papa, papa, y a quoi? Papa, y a quoi? Yégué. Aladji! Le vieux, tu es là, il te cherchait depuis. Viens passer par là où tu es peut-être vu là. Oui, j'ai laissé ça avec Omar. Il y a mon petit frère là qui est venu. Ton petit frère qui est en ville là? Il est venu avec une femme Tinclair là. Il est venu avec une femme. La fois passée, il m'avait appelé. J'ai vendu deux bœufs. Tu as vu, j'ai vendu deux bœufs là. Oui, j'ai. Oui, il m'a dit qu'il avait un projet à gérer. Et je l'ai envoyé l'argent. J'ai vendu deux bœufs là pour l'envoyer. Je lui ai donné beaucoup de conseils. Il n'a qu'à arrêter de faire les lives. Il n'a qu'à amener l'argent ici. On va payer les carrés. Bah, il faut penser à moi. Moi, je grandis, mais je n'ai pas toi, de boulot. Toi, je te dis toujours, vous suivez Oumaru, tu vois comment le suivre les bœufs là bien. Il est dans la maison. Alors, on le voit, on va le voir. Peut-être qu'il a amené beaucoup d'argent. Allons-y. Si il va suivre mes conseils, c'est bon. Là, il va investir dans le village ici. Monsieur, tu as quoi? Mais... c'est où cet endroit bizarre où tu m'as amené là? Ici, c'est chez moi, c'est mon village. Il y a les moustiques qui partout qui me piquent là. Oh. Je suis désolé. Attends, le vieux va venir maintenant, on va rentrer, d'accord? Tu as promis qu'on vendra les parcelles. Attends, dis-moi, tu as les parcelles ici, c'est ça? Non, je suis héritier. Tu es héritier? Oui. Donc, on va vendre les parcelles, prendre l'argent et voyager sur l'extérieur. Oui, c'est ça. Tout ça va finir maintenant, d'accord? Le vieux. Tout ça va finir. Ils sont là. Oh. Hein? Grand frère. Mon fils. Oui, papa. Bon arrivé. Merci beaucoup. Ça va. Ça ne va pas. Hi. Ah, c'est ma meuf. Bonjour, papa. Attends, ta femme. Elle dit bonjour à son beau-père comme ça. C'est comme ça qu'on salue son beau-père. Je n'ai pas les conditions pour saluer, papa. Femme bas, femme bas. Bonjour, papa. Bonjour, tonton. Ça va? Attends, les gens disent dans, en ville qu'on trouve les belles femmes, c'est vrai. On voit les vidéos que tu envoies, les farotages que tu fais en ville. Je veux que tu m'amènes aussi en ville. T'inquiète. Je veux aller rester en ville comme toi. Et là, j'ai pas de boulot au village ici. C'est seulement les habits que tu m'envoies au village ici. Hein? C'est pas bien. T'inquiète, j'ai un plan pour toi. Bientôt, okay. Bientôt tu y auras. Ok, je suis ton grand frère. Hein? T'inquiète pas, papa. En parlant de ça, j'ai un truc à vous dire là. Papa, oui. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai un grand projet qui va me faire rapporter beaucoup d'argent. Hein? Et j'ai besoin que tu vendes quelques états là. Et tu vas me donner l'argent, j'irai entreprendre et venir installer le projet au village ici. Comme ça, on sera tous gagnants. Non, 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 non. Comment? C'est la fois passée que tu m'avais demandé de vendre les bœufs pour t'envoyer l'argent. Que tu as un grand projet. Et après, tu vas venir en ville ici pour investir. Mais et papa, en village faut ici pour ça, investir. Faut laisser ça. Et maintenant, tu me dis encore que tu veux encore l'argent pour papa, aller encore en le vieux, il faut laisser. Je dis ce projet-là, c'est un projet des blancs. Tu es sûr? Papa, tu seras riche. Grand frère sera riche. On sera tous riches. D'accord. Il n'y a pas de problème. Les acheteurs de l'autre fois, ils sont toujours là. Il faut les appeler. Ok. D'accord. Il faut les appeler en même temps. On va rester ici ce soir. Et demain matin, on va vite gérer ça, on va partir. D'accord. D'accord. Petit frère. Tu es là. Hey, papa. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon. Bébé, j'ai faim. Il y avait un restaurant à côté là. Hi. Où est-ce qu'on peut trouver un restaurant? Ici là, on ne trouve rien ici. Oh. Ah. Il y a pas, on ne vend pas manger ici. Tu ne vas pas dire à ta femme, elle va nous préparer à manger. Mon fils, moi, je vais aller voir Ousmane là. D'accord. Tu vas nous faire manger. Vous avez gaz? Hi. On est dans le village ici. Hein. On a seulement charbon et fagot ici. Hein. C'est compliqué là. Oui, il faut le faire, d'accord? Il faut le faire. C'est la première fois que tu ne peux pas écouter vos parents. Non, je peux t'aider. Je peux t'aider à faire. Tu vas m'aider? Oui. Ok. Viens, viens. Je t'ai amené de l'eau. Oh, tu es là? Oui. Je t'ai amené de l'eau. Il faut faire ça, on va manger maintenant. D'accord? C'est tellement compliqué. Tu viens, je veux voir le vieux. Je viens tout de suite, d'accord? Le vieux. Comme mon petit frère là maintenant. L'argent qu'il a amené, il faut faire mon programme. Moi, mais je vais commencer par faire quelque chose. Non, mon fils, il n'a pas amené l'argent. Aïe.
Au contraire, moi je pensais qu'il a amené l'argent pour investir au village comme je t'avais dit. Maintenant il me parle de blanc, il a encore déposé, qu'il a besoin de l'argent pour aller investir là-bas encore. Non. C'est toujours sur lui, on investit tout. Il est en ville là-bas, vous investissez sur moi aussi, je suis son grand frère. Mais il parle de blanc, il a dit que si les projets sortent, nous tous on va gagner. Toi-même là, il va t'amener France ou où il a dit même, je ne sais pas, il a dit va t'amener le pays des blancs là-bas. Donc, on va faire comment? Ok. Donc, tu s'assois là, tout le monde va gagner. C'est ça, il a dit. Oh. Comment donc, il quitte le village? J'ai appelé les démarchés là, ils vont vendre parcelle là. Jusqu'à demain là, il va prendre l'argent pour partir. C'est quoi cette histoire là? Moi je suis fatigué. Toi, tu vas venir au village là, c'est pas pour venir préparer. Depuis là, ils sont trop préparés la chose. Ça, depuis là, ça ne change même pas. Je suis venu au village, regarde, je suis en train de noircir. Il y a à peine 2 heures de temps seulement. Et qu'est-ce que ça veut dire? D'habitude là, c'est pas dans un restaurant, on mange. Chérie. Non, et moi je suis fatiguée, je veux rentrer à la maison. Je ne suis pas sûre. Chérie, je t'ai déjà dit, calme-toi, c'est juste pour ce soir, non? J'ai déjà parlé au vieux tout à l'heure. Il a déjà calé. Demain, on me vire les fonds et on part d'ici. Ils ne sauront rien de ce qui se trame entre nous. Même le démarcheur, la gestion numéro, je vais l'appeler, je vais tout vendre ici. Les bureaux, les parcelles, on va tout vendre, même là-haut, ici. On va tout vendre. Ils ne sauront rien de ce qui se passe. Hein? On va prendre l'argent. On ira à l'extérieur comme on avait prévu. C'est vrai? Mais c'est moi, non? Mais l'essentiel, c'est de faire ce qu'ils veulent. Il faut faire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Hein? Demain matin, on bouge avec l'argent. Tu as dit ça. On ira faire la vie. Je t'ai promis une vie, non? Mais tu auras cette vie. On n'a qu'à finir de préparer ce qu'ils veulent. D'abord, même là, c'est bon. Suis-moi, regarde derrière là-bas. Ici jusqu'à l'autre côté, c'est un hectare qui est là. Derrière là-bas, il y a 3 hectares. Donc avec ça, ça fait 3-4 hectares. Il n'y a, pas de souci. Sinon, l'argent est là. Ça, c'est pour toi. C'est ça, l'argent est là. Donc, on va finaliser tout. Il n'y a pas de souci. C'est bien situé. Les parcelles sont bien situées. Ah, je te dis que c'est... Je vais faire la réservation alors. D'accord? Je reste là pendant un mois avec ma femme. Et vous allez me garantir de faire de bons mails. Vous comprenez? Oui. Alors, je vous rappelle. Oui, papa. Oui, j'ai pu réunir les sous, l'argent qu'on a déjà demandé. De sitôt? Oui. Ah. Comment elle va faire? Et ta femme, elle a déjà fini de préparer? Oui, depuis elle serait en train de se laver. Ah, ok. Bon, papa, et ça, à quoi sert de rester jusqu'à demain matin? On va devoir prendre la route ce soir. Ah, ok. Oui, vu que l'argent est déjà là. Mon fils. Si tu as besoin de l'église là, tu connais. Oui. Tu me connais. D'accord, papa, il n'y a pas de souci. Je vais faire ça rapidement. D'accord. Ça va marcher, tu comprends, non? D'accord. Je compte sur toi. Hein. Oui, et la famille aussi compte sur toi. S'il te plaît, il ne faut pas nous décevoir. Jamais, papa. Tu comprends. Vraiment, bonne route. Merci, papa. D'accord. Le vieux, papa, tu es où depuis? Je te cherchais, tu es où? Tu as quoi encore là? Ils sont où? Qui? Mon petit frère là. Il est déjà parti, non? Ils sont déjà partis. J'étais là aussi, sur nos hectares qui sont là-bas. Là. J'ai tout vendu ça pour venir le remettre là. Il est parti. Le vieux, tu as fait quoi? Aïe. Il y a quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Le vieux, il faut écouter ça. Papa, c'est quoi? Vieux. Papa, il y a quoi? Papa, il y a quoi? Yégué. Il y a qui ici? Papa. Le vieux. Papa. Papa. Yégué. Aouh. Au secours! Papa! Le vieux! Mais chérie, pourquoi tu me laisses pas prendre ma valise? On ira faire des shopping là-bas, non? On va signer cette grande ville-là. Toi, tu veux pas faire des courses? Attends, mais qui m'appelle? Allô, petit frère? Oui, grand frère, comment tu vas? Mais je t'appelais depuis que tu ne décrochais pas. C'est le vieux, il est tombé. Il est tombé, je l'ai amené à l'hôpital. Oui, je l'ai amené à l'hôpital, ils ont demandé 20 000 francs. Le vieux a dit qu'il a tout vendu, t'as remis. Allô? 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 Allô, tu me reçois? Là, tu m'écoutes maintenant. Allô? Tu m'écoutes, tu me reçois? Maintenant. Allô? Allô? Moi, je te reçois. C'est quoi cette connerie là? Il y a quoi? Qu'ils ont besoin de 20 000 francs que... Papa s'est évanoui, il est à l'hôpital. Mm-hmm. C'est quoi, bébé? Allons faire la vie. Aïe. Attends. Faut que je le rappelle.
Aïe, comment aujourd'hui?